Shalom, vêtements, numéro 3. Numéro 1, nous avons dit que le but des vêtements est de couvrir le corps. Le corps n'est pas une exposition à tous, c'est quelque chose de personnel. Secondement, de nous protéger du froid, parfois même du soleil. La deuxième fois, nous avons parlé du fait qu'il en résulte que les vêtements doivent être larges et non pas collés au corps, car s'ils sont collés au corps, eh bien, ils ne cachent pas le corps. Ils cachent sa couleur, mais non pas sa forme. La couleur, c'est pas tout. Il y a la forme qui n'est pas moins essentielle, parfois plus. Aujourd'hui, nous voulons parler donc du fait que les vêtements doivent recouvrir le corps entier. Le corps, c'est, sauf les mains, il faut travailler. Bien que dans la maison de Saül, le roi, on ne voyait point les pouces. Autrement dit, les gens avaient des manches qui recouvraient jusqu'aux pouces, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs d'aller en guerre, et jusqu'aux pieds, évidemment le cou, etc. Il faut le couvrir. Il faut couvrir tout ce qu'on peut chez les hommes, et à plus forte raison chez les femmes. Il y avait des époques où même les jeunes filles non mariées se couvraient la tête. Non pas seulement chez nous, mais également chez les nations de la Terre. Bref, se couvrir du cou aux pieds, les femmes d'avoir des jupes longues, des robes longues. Chez l'homme.